Ah, il me faut mon texte. Le truc qui clignote, est-ce que tu peux investigate? Tipoui les gens, pas eu de vidéo depuis hyper longtemps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pas du tout militantes et très personnelles et très. Il se passe des trucs qui sont difficiles à gérer, il faut les gérer. Et genre voilà, et la dépression, tout ça, bref. Ça fait que pas de vidéo pendant depuis un bail, depuis que je vous ai appelé à l'aide pour m'aider à me sortir de cette galère monstrueuse qu'a été l'accident de camion. Mais on s'en est sorti grâce à vous. Et je fais cette petite vidéo déjà pour reprendre pied, refaire une vidéo, re-respirer, me redire ok, je suis dans la course, c'est bon. Je retourne, voilà, je reprends mon activité de youtubeuse et les vraies vidéos intéressantes comme je les aime et qui ont un sens plus profond arrivent et arrivent vite. J'ai notamment, je vais vous parler des projets qu'il y a, hein, parce qu'il y a plein de collabs qui arrivent qui vont être vachement excitantes. Il y en a trois, peut-être quatre qui arrivent. Ça va vraiment être très très bien. Enfin, je veux dire, j'espère que ça va être très très bien, parce qu'en vrai, on les a pas faites, on les a pas écrits, et voilà. Mais dans l'absolu, ça devrait être génial. Autre annonce importante. Le grand projet à propos de faire des sortes de mini-documentaires sur des personnes trans qui existent, qui vivent, et que je vois et que je suivrai dans une journée, où on parlerait un petit peu de ce qu'elles kiffent, de ce qui les fait vivre, pas au sens dans quoi elles bossent. Quoique on peut l'aborder aussi, mais de ce qui, voilà, les alimente. Dans cette optique-là, j'ai envie. Est-ce que j'en ai besoin? C'est à débattre. Mon fiancé n'est pas d'accord avec ça. Moi, je suis très d'accord avec ça. Mais j'ai besoin ou envie, selon les versions, de passer à la vitesse supérieure en termes de matos, en termes de captation de l'image. Parce que c'est bien beau de réussir à faire des vidéos plutôt chouettes, vous avez vu, nouveau décor, plutôt fier. Je vous ferai une vidéo à ce propos très bientôt. Mais c'est une chose de faire du face cam avec genre deux gigantesques panneaux LED et une lumière derrière et d'avoir une image à peu près correcte. En l'occurrence, je la trouve plutôt très bien, mais j'ai pu ressortir l'objectif de 50 parce que la pièce est plus grande. Bref, je diverge. Je me suis mêlé les cheveux. Mais c'est effectivement tout un tas de trucs que je pourrais pas mobiliser si je me mets à faire quelque chose de plus. Je filme les gens dans leur habitat finalement, et leur habitat est pas un studio de youtubeuse logiquement, quoique ça pourrait l'être, mais pas nécessairement. Et du coup voilà, donc envie de passer à la vitesse supérieure. C'est pour ça que, alors, je suis une meuf perfectionniste et je rêve grand. Du coup, le matos que je veux coûte 1 700 balles. 1 000 balles le boîtier, 1 000 balles l'objectif, mais machin, tu peux les avoir ensemble à 1 700 balles. Bref, tout ça pour vous dire que jusqu'à ce que je puisse m'acheter cet hybride, parce que c'est pas un réflexe, cet hybride de mes rêves, tous les dons uniques qui seront faits sur Utip, donc pas les dons récurrents, les dons uniques, iront dans une partie que moi je vais mettre de côté et que je dépenserai pour acheter ce matos. Donc tout ce qui est dons récurrents, etc., etc., c'est ce qui me fait vivre. Tout ce qui est achat sur le shop, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui, moi, me permet de manger. Et les dons uniques, je vais directement les transvaser sur du matos, et je vous mettrai une jauge dans le générique de fin de à quel point ça se remplit. En parlant de jauge du générique de fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du générique, maintenant le générique a changé et vous pouvez voir une jauge qui se remplit. Et cette jauge qui se remplit, c'est la jauge mensuelle de moi, ce que je gagne en pourcentage d'un SMIC mensuel net. C'est mon objectif pour genre vraiment me dire, ok, t'es youtubeuse mais t'es pas dans la galère, t'es youtubeuse et tu peux te permettre d'être youtubeuse. Et voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça évolue, à quel point je suis proche de ce but, bah voilà, vous pouvez le voir, il grimpe, des fois il diminue, mais voilà. En parlant de dons et de Utip, Utip a arrêté
de vous permettre de regarder des publicités pour me financer. Alors pourquoi ça? Vous l'avez peut-être entendu d'autres créateurs, ou vous l'avez peut-être lu sur internet, mais pourquoi ça? C'est pour la simple raison que, avec tout ce qui était confinement, le fait qu'il y ait plus de vidéastes sur Utip, le fait, enfin, tout un tas de facteurs, Utip est passé de pouvoir donner 5 centimes par pub vue au créateur, is, à 1 centime, puis à 0,01 centime. Pendant la période où c'était à 0,01, Utip mettait les 0,99 centimes restants. Vous vous doutez que du coup, c'est pas un business model qui fonctionne. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter les pubs. Donc maintenant, les seuls moyens de soutenir sur Utip sont les dons uniques, les dons récurrents et les achats sur le shop. Sur le shop, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, mais j'ai mis tout ça en pause le temps que Utip donne les deux fonctionnalités qui pour moi sont nécessaires sur ce shop, à savoir les catégories, pour pas que ça soit un bazar absolument monstrueux et que vous n'arriviez pas à trouver ce que vous cherchiez, et le panier, parce que si vous voulez acheter deux trucs et que vous devez payer deux fois les frais de port, c'est nul. En parlant de trucs qui se sont arrêtés, YouTube arrête les sous-titres soumis par la communauté. C'est-à-dire que si vous voulez donner un coup de main, que vous n'avez pas d'argent, que vous voulez juste investir du temps, que vous voulez genre, voilà, sous-titrer pour la chaîne, c'est plus quelque chose qui est possible. Moi, je peux le faire. Vous, vous ne pouvez plus le faire. Comment je vais me démerder en termes d'accessibilité? Honnêtement, je sais pas. Je veux dire, j'avais réussi à organiser un petit peu la communauté autour du sous-titrage, même si c'était pas toujours évident, parce que j'étais pas toujours là pour leur dire « Hey, ça serait cool de faire ça, hey, ça serait cool de faire ça. » Et d'ailleurs, j'étais même jamais là. Donc, comment on va faire, je sais pas. Je réfléchis à tout sous-titrer moi-même, mais c'est une grosse charge de taf supplémentaire. Et comme vous le verrez dans le générique de fin, on est loin de pouvoir me payer un 35 heures avec YouTube pour le moment. Mais c'est quand même une piste que j'envisage, donc à voir. La solution miracle de YouTube, c'est de payer des gens pour faire ça à notre place. Alors, vous vous doutez bien qu'une chaîne tenue par une nana trans... ouais, le pourcentage de chances que la personne connaisse tous les mots que j'utilise pour sous-titrer est assez peu probable, et on pourrait se retrouver avec des trucs assez folkloriques. Voire pas top. Bref. D'ailleurs, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, en sachant que les sous-titres sont toujours importables. C'est-à-dire que le format sous lequel on pouvait les exporter et les importer via YouTube, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Ce à quoi vous n'avez plus accès, en fait, c'était la fonctionnalité hyper chouette. Vous aviez la vidéo qui passe, les blancs à remplir, et puis vous remplissez, c'était hyper simple. Maintenant, il faut savoir comment écrire dans le dossier texte pour pouvoir l'importer, et ça veut dire minuter les trucs et tout, donc c'est plus compliqué. Mais si jamais ça vous tente, ou si vous avez des idées, ou si vous connaissez des logiciels qui pourraient importer des sous-titres automatiques et qu'on pourrait ensuite les modifier et voilà, tout ce genre de choses, n'hésitez pas, je suis méga preneuse en fait. Voilà. Tout dernier point, cette vidéo a mis du temps à arriver. Cette vidéo a mis du temps à arriver parce que je me sentais pas prête, et c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne. Mais faire des vidéos, même si c'est au final ce qui me fait vivre, bah c'est pas méga évident pour moi. C'est générateur de stress. Souvent j'ai besoin de... J'ai l'impression d'avoir besoin d'être dans un état mental qui me permette de les faire. Là je me suis un peu forcé à faire celle-là parce que j'avais vraiment l'impression que j'arrivais pas à redécoller en fait. Et ça c'est souvent ce qui arrive quand je mets un petit peu du temps entre plusieurs vidéos. Je perds complètement ma prise sur mon rythme de travail et j'y arrive plus. Je fais d'autres trucs mais je tourne plus. Je monte plus, je publie plus, voilà. Ça, c'est vraiment dur. Même si on sort la dépression de l'équation et qu'on enlève tous les jours où je suis juste genre trop en sale état pour faire quoi que ce soit, bah même faire les vidéos, surtout après une absence ou quelque chose que je perçois comme une absence, ou en tout cas voilà cette perte de prise sur mon rythme de travail, c'est toujours systématiquement difficile. Je me mets la pression aussi parce que je me dis ça fait 2 mois. Là, ça fait bien 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois que les personnes qui te follow n'ont pas vu de chouette contenu de ta part. N'ont pas vu un contenu intéressant, un contenu qui leur parle, un contenu qui leur sert à quelque chose.
Et toi, tu vas faire un vlog qui va faire 800 vues et qui va parler à personne. Et j'aime pas ça. Et du coup, je me sens mal à l'idée de vous faire juste un vlog pour me remettre dans le bain, reprendre le contact avec vous et genre juste vous parler de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi je suis pas en train de sortir de vidéos. Il y a le fait que pendant un bail, j'avais pas de décor. Et ça, le fait de tourner dans un endroit où je voulais vraiment être à l'aise pour tourner et de ne pas avoir de décor, bah, ça me minait. J'ai pensé à tout un système qui me permettrait de fixer de mon éclairage et qui, au lieu de genre passer 5 minutes à poser mon éclairage, bah, ça m'en prendrait 30 secondes. Et rien que ça, en fait, ça me permet d'être plus capable de filmer de façon plus régulière et de façon plus agréable. Et ça, je ne l'ai pas mis en place parce que j'ai senti qu'il fallait que je tourne, quoi. Alors, il y a le fait que je me dis il fallait que je tourne, hein, d'un point de vue purement moral. Il y a aussi le fait que, et je sais pas si ma fiancée éditera ça, mais il y a aussi le fait que, ouais, je me suis rendu compte que sur Utip, ce que je gagnais par mois avait été divisé par deux, et j'ai fait, ah, la vache, ça va être dur, là. Donc, il y a eu aussi ce sentiment de, ok, d'accord, très bien, très bien, très bien, on me paye pour faire un truc, je vais faire le truc. J'espère que ça va être mieux. Déjà, vous avez une vidéo, donc ça va me permettre de respirer un peu, de sortir un petit peu de culpabilité de mon système et me dire, ok, c'est bon, tu peux attendre une semaine, 10 jours avant de t'y remettre. Il y en a une autre qui arrive, mais je vous en ai déjà parlé, je crois. Non. Bref, il y a quelque chose qui arrive, vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc ça aussi, ça va m'acheter un petit peu de temps. Et en septembre, il y a les collabs, ça va être absolument fabuleux, j'ai très très hâte de faire ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on vit des temps pas faciles, qu'il y en a probablement une grosse partie d'entre vous qui se demandent qu'est-ce qui se passera dans demain, qu'est-ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines, est-ce qu'on pourra sortir de chez nous? Je sais que c'est flippant. Protégez-vous en attendant, protégez les autres si vous le pouvez. Prenez soin de vous puis de ceux que vous aimez. Et puis on se revoit très vite sur la chaîne. Tipoui!